Ah bah bravo! Bravo! Moi j'ai passé ma semaine à chercher des excuses pour pas participer au marathon, et qu'est-ce que j'apprends? Le Primark à Toulouse a enfin ouvert! C'est pas trop tôt, dites-moi! Alors pour ceux qui connaissent pas Primark, c'est un magasin qui vend des fringues qui sont fabriquées dans les pays pauvres comme le Bangladesh, le Pakistan ou le Gers, je sais plus. Mercredi, dès 7h du matin, il y avait déjà une file d'attente de 3000 personnes. Même à l'entrecôte, ils ont jamais vu ça. Ça représentait 300-400 mètres de queue. À faire pâlir Rocco Siffredi. Alors moi j'y étais aussi, hein, depuis 7h du matin, j'avais installé ma petite tente Quechua, et je peux vous dire que j'étais pas le seul. On serait cru dans un camping à Narbonne un week-end de 15 août. Alors? On n'attend pas Patrick? Il y en a qui faisaient des grillades, d'autres qui jouaient au molki, on a fait une petite chenille. Oh, bah, super ambiance, hein. Y a un mec en placement numéro 5 à côté de moi, il m'a proposé un pastis. Pastis parfum bleu, pastis délicieux! 7h du matin, ça fait un peu tôt pour le pastis. Du coup j'ai pris une suze. Une suze? Sans transition. Dis donc, Jean-Luc, rapport à l'accent toulousain? Vous pouvez vous expliquer clairement parce que moi, je comprends pas. Ah non, moi je comprends pas non plus. Eh Jean-Luc, ne mélangeons pas tout. Bon, moi j'ai pas l'accent, mais je connais des gens très bien qui l'ont. Un torrent de cailloux roule dans ton accent. Oh là là, ça a tweeté, même en Ariège, ils ont tweeté. Alors déjà, bonne nouvelle parce qu'on apprend qu'ils ont internet en Ariège. Je t'explique quand même. Un conseil, Jean-Luc, viens pas de suite manger un banoffee place du Cap. Hein. Y en a qui sont pas contents. Ici même. Et c'est les vacances scolaires et sachez qu'on est encore en spectacle au 3T. Ah oui, dis-moi. Non, personne ne me touche. Ma personne est sacrée. Je suis la République. Rapport à Mélenchon. Ouais, enfin moi je me demandais ce que tu t'étais acheté. De quoi? De... Bah, chez Primark. Ah non, moi je suis pas rentré dans Primark. Ah non, mais c'est pour l'esprit camping. En plus je fais du camping naturiste. Du coup moi les fringues...